Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment faire un bon couscous. Un couscous royal avec tout ce qu'il faut. Vous allez voir, de viande, les merguez, semoule, bien sûr, et les légumes. Je vous mets tout en description concernant les quantités et les petits conseils à suivre éventuels si ça vous aurait échappé pendant la vidéo. Vous avez juste, comme d'habitude, à cliquer à descendre sous la vidéo, à cliquer sur plus pour tout dérouler et que ça s'affiche. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Alors, nos légumes, on commence par les navets qui ont une peau très épaisse. Donc, on prend un couteau pour ça. Il en faut à peu près 600 grammes. On va retirer les extrémités des courgettes. 650 grammes. On va retirer les extrémités des carottes, 600 grammes, et on va éplucher les carottes. On préparera aussi 3 gousses d'ail. On va laver tout ça, et on va couper nos légumes. Alors les courgettes, on fait des tronçons de 3 à 4 cm environ. Les navets en deux, puis encore en deux, et on les émince en gros cubes. Les carottes, un peu comme les courgettes, hein, on refend en deux, et on taille des tronçons de 3 à 4 cm. Les légumes sont prêts. On va préparer une marmite avec 5 litres d'eau et 15 g de sel. Au final, cela nous servira de bouillon pour mouiller notre graine. On ajoute les 3 gousses d'ail et on peut commencer la cuisson. Des carottes par exemple, pour lesquelles il faudra 12 à 15 minutes de cuisson environ à l'ébullition, mais on pique toujours pour vérifier la cuisson. On laisse l'ail dans l'eau, bien sûr. On passe aux courgettes. Je vous mets toujours le temps approximatif de cuisson, c'est un peu plus rapide les courgettes. Et on passe aux navets. Les navets sont cuits plus rapidement que les carottes, mais c'est plus long que les courgettes. On pique toujours. Et surtout, on garde le bouillon, comme je vous l'ai dit, qui nous servira à mouiller notre graine et à la parfumer. Voilà, on va préparer maintenant l'agneau pour le couscous. Alors, il me faut un oignon moyen, coupé en cubes, grossièrement. Ensuite, là, j'ai 1 litre d'eau, mais il me faudra rajouter 2 litres supplémentaires pour mouiller l'agneau. Dans ce litre d'eau, je mets 2 cuillères à café bombées, bien bombées, de fond de veau. Je mélange. J'ajoute 1,5 cuillère, bonne cuillère et demie de razel à nout et idem de piment doux, 1,5. Toutes les quantités sont en description sous la vidéo, vous cliquez sur plus pour dérouler tout ça. Les autres éléments sont coulis de tomates, sel, poivre et du sauté d'agneau dans l'épaule ou du gigot, 1 kg. On fait revenir nos morceaux d'agneau dans un peu d'huile d'arachide ou de pépins de raisin. Quand c'est revenu, on ajoute l'oignon. On remue ça, on sale, on poivre. On va ajouter la tomate coulis. Et remuer. On ajoute ensuite le bouillon qu'on a préparé avec les épices et le fond de veau, plus 2 litres d'eau encore. Donc 1 litre j'avais préparé de bouillon et j'ai rajouté 2 litres d'eau, 3 litres d'eau au total, c'est important. Pour que l'agneau cuise, il lui faut 1h à 1h10 de cuisson environ. Quand c'est prêt, vous me réservez de côté. On passe au poulet.
Alors, comme pour l'agneau, on va préparer ici notre bouillon. Mais il nous faudra qu'un litre d'eau, car le poulet cuit beaucoup plus vite que l'agneau, en 25 minutes seulement. Donc moins de réduction et moins d'eau, logiquement. Sinon, les quantités restent identiques. 2 cuillères à café de fond de veau. Les épices, je les ai déjà mélangées. Vous avez les quantités. C'est les mêmes que pour l'agneau. Voici les autres éléments. Tout sera, je vous le redis, en description. Sous la vidéo, vous cliquez sur plus et vous déroulez. Quantité et explication. On met un peu d'huile, car le poulet en relâche pas mal de gras. Donc on met juste un peu d'huile au fond de sa marmite. On fait revenir le poulet. On sale, on poivre. Une face, quand elle est colorée, on retourne tous les morceaux. Quand la deuxième face est revenue, on met les oignons. Et on remue. On ajoute ensuite la tomate coulis. Et le litre de liquide contenant fond de veau et épices. On va amener ça gentiment à ébullition et on va compter 25-30 minutes maximum de cuisson. Après, le poulet est trop cuit et il se détache de l'os. On remue bien en cours de cuisson hein, pour pas que ça attrape. Et on se retire du feu après les 25 à 30 minutes. On peut mélanger à ce moment-là les deux viandes ensemble, les réunir et avoir tous les parfums ensemble. On peut ensuite insérer tous les légumes qu'on a cuits au préalable. Et n'oubliez pas les pois chiches. Un bon couscous se fait avec des pois chiches. On peut réchauffer tout ça, mais vraiment quelques instants. On ne fait pas recuire pour éviter que la viande ne se défasse. Et les légumes également. Pour la semoule, on va mesurer 1 100 litre de bouillon de notre bouillon de légumes. Pour l'aromatiser au maximum, lui apporter des arômes. Ce bouillon de légumes, on va le faire chauffer dans une petite casserole. On va rectifier l'assaisonnement pour voir si on est assez salé. Si vous avez respecté normalement ce que je vous ai dit en quantité de sel au départ, il en manquera très peu, comme ici. Et je mets 100 g de beurre dans ce bouillon. Va venir rehausser l'arôme de la graine de notre semoule à couscous. Ensuite, donc pour 8 personnes, je mesure, il faut compter 100 g pour des bons mangeurs, je mets le kilo, comme ça je suis large. Sinon 800 g, on est bon. Je mets un peu d'huile d'olive, je vais bien mélanger pour graisser ma graine avec l'huile d'olive, et la parfumer encore un peu plus, et ajouter mon bouillon. En une fois, inutile de le faire en plusieurs fois, ça sert à rien. Je mélange juste un petit peu pour bien faire pénétrer l'eau. Et je couvre au moins 5 bonnes minutes. Après 5 minutes, je découvre et je commence à égrainer le dessus seulement parce que c'est très chaud. Le bouillon inutile qui bout, mais il faut quand même qu'il soit chaud pour avoir une semoule chaude. Je fais le dessus comme ça pour pas me brûler. Après, je prends une fourchette et avec cette technique, vous voyez que la graine, elle est, il n'y a même pas besoin de la rouler pour défaire des pseudo-boulettes parce qu'elle n'en fait pas en fait. Hein.
elle se défait à merveille. Le beurre qu'on a mis et le peu d'huile aussi évite que la graine ne colle. Les merguez, il faut juste les poêler, surtout sans graisse. Hein. C'est plein de graisse, de gras, les merguez, et ça en relâche une tonne, donc pas de graisse, pas d'huile surtout. Vous les faites juste colorer hein, sur les 3-4 faces, vous tournez 3-4 fois pour faire griller hein, toutes les faces. On prépare un peu d'harissa avec du bouillon, le bouillon de notre couscous tout simplement. Un peu d'harissa, quelques louchettes de bouillon, on mélange ça et l'harissa est prête pour les amateurs de sensations fortes. Il ne reste plus qu'à dresser ensuite. Et voilà les amis, une belle portion de couscous là pour un méga mangeur. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, hasta luego. Alors, je vais vous donner la solution pour faire toutes les viandes, les deux viandes en même temps. Là ici sur la vidéo, j'ai bien séparé les deux viandes afin que ceux qui veulent faire que poulet ou que agneau aient cette possibilité. Si vous voulez faire les deux viandes, vous pouvez les faire en même temps. Vous faites revenir l'agneau, le poulet. Et tous les éléments, toutes les quantités données pour les deux, vous les mettez avec l'agneau et le poulet. C'est-à-dire, vous mettez au total, on a, je crois, vous voyez, avec 3 et 1 litre, donc 4 litres d'eau. Vous mettez donc 3 cuillères à café d'épices de Razel à nous, 3 cuillères à café de piment doux, machin, etc. Toutes les quantités, vous mélangez tout. Vous mettez les viandes avec le liquide et au bout de 25 minutes à 30 minutes, vous retirez le poulet. Vous le couvrez avec un papier film et vous laissez continuer uniquement que l'agneau, hein, que la cuisson de l'agneau. Voilà, pour les 35 à 45 minutes qui restera de cuisson.